Bonsoir et bienvenue sur Drop Podcast. Moi c'est Rain. Moi c'est Papy. Et moi c'est Ingvar. Nous sommes le samedi 15 septembre 2018. Et cette semaine, Kevin, nous allons te parler à toi. Je serai ton doc. Papy sera ton D-Fool. Et Ingvar sera ce voisin un peu gênant qui te regarde par la fenêtre. Cette <laughs> semaine, Kevin, on va parler de l'adolescence. Cette période un peu trouble de la vie où ton corps change, ta façon de voir le monde change. Et ta façon de voir le fleuve change. Cette semaine, Kevin. Mon beau Kevin, mon Kevin très soyeux, nous allons parler du fluff maison et des erreurs à ne pas faire. Est-ce que vous trouvez que j'ai assez bien introduit le sujet pour que tout le reste soit forcément décevant Alors, je ne sais pas si tout le reste sera forcément décevant, mais en tout cas, tu l'as introduit. Tu l'as introduit avec brio. Tu as mis de l'âme dans cette introduction. Tu, tu, tu l'as rempli, tu l'as étoffé, tu l'as, tu l'as magnifié. Vous êtes tous du mur lyrique ce soir ou comment ça se passe oui, c'était bien comme intro, oui. <laughs> Alors, comme vous le savez, euh... On est pas mal en lien avec la chaîne Planet Wargame sur YouTube. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne qui fait pas mal de vidéos fluff sur l'univers de 40K et euh, qui a un live une fois par semaine sur lequel euh, on discute à la fois des participations à sa pré-campagne et de sujets de fond dans le but de vous accompagner lors d'une soirée peinture, etc. pour avoir un fond sonore. Et dans le cadre de cette pré-campagne, justement, on s'est rendu compte que beaucoup de joueurs, notamment Marines, avaient du mal avec la construction de leur fluff. Alors on s'est dit que ce serait pas mal d'aborder le sujet de façon un peu généraliste, pour donner quelques pistes à ceux qui sont en galère, à ceux qui sont dans le doute, pour euh, arriver à faire un fluff pour un chapitre perso, sans trop passer pour un gland. Ces gens vous mentent, hein, très concrètement. Euh, évidemment, on suit l'après-campagne de Planet Wargame, mais surtout, ça fait pas mal de temps qu'on discute entre nous du fluff d'Ingvar qui essaie de concilier des choses qui sont pas forcément évidentes et on s'est rendu, rendu compte dans nos discussions que au final faire un fluff maison entre guillemets c'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours une volonté d'aller plus loin plus haut euh, Ingvar il avait un peu fait la Christina Aguilera de Wolf tu vois aller plus haut <laughs> aller plus haut <laughs> Mais, oui. Mais on, on s'est dit voilà, ça serait bien de faire un petit euh, un petit des choses à ne pas faire, essayer d'expliquer pourquoi il ne faut pas les faire et dans quel écueil ne pas tomber. Parce que j'ai bien synthétisé les choses. Plutôt que vos histoires de oui, alors on essaye de... Non les mecs, on, on s'est foutu de la gueule d'Ingvar pendant trois semaines. On culpabilise un petit peu et on se dit bon on va essayer de rationaliser la chose. Surtout que vous êtes foutu de ma gueule parce que j'essayais de concilier un fluff avec un délire modélistique. Alors papy me souffle dans le que ce n'est pas du tout, Christina Aguilera qui a fait aller plus haut, mais c'est Tina Arena. <laughs> Merci, papy. Bon, pour, euh, pour mettre les choses au clair, c'est pas que j'ai voulu aller plus haut, c'est que j'essaye de concilier euh, un délire modélistique. Donc, euh, en gros, bah, des Space Wolf avec une épaulière et une livrée 30K sur des armures primaris. Ça devient un peu compliqué à, à intégrer dans un fluff tout ça. Donc c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Et comme l'a dit Rain, on s'est rendu compte qu'on pouvait tomber dans des travers très facilement euh, au, niveau, euh, au niveau du fleuve perso. Et c'est pour ça qu'on va faire ce sujet, euh, qu'on va essayer de le survoler. On, en fonction des retours, on fera peut-être. Euh, on l'approfondira peut-être. Voilà. Oui, on verra à la fin, ça. Donc première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Un fleuve perso doit-il être épique, selon vous Pour un chapitre de Marines Non, oui, alors, oui, pardon, euh, faute de ma part, on va se cantonner au chapitre de Marines, parce que sinon c'est très très vaste, et on va se limiter au canon officiel de Games, tout en sachant que le canon se contredit en lui-même, et il y, y a toujours une exception. Donc, oui, quand tu fais le fleuve perso d'un chapitre de Marines, est-ce que tu as tendance à virer sur de l'épicness over 9000 ou pas alors, si c'est un chapitre perso donc, euh, que je crée moi de toute pièce, c'est-à-dire euh, le nom, la livrée, les insignes, etc., clairement non. Euh, clairement non pour la bonne et simple raison que, pour moi, euh, si c'est des successeurs qui avaient euh, accompli des actes euh, tellement épiques que ceux que on, les joueurs débutants ont tendance à décrire, euh, ce serait quasiment impossible à mon sens que, y... que personne n'en ait entendu parler, en fait. Si j'ai envie de faire du Marines épique, euh, je prends des chapitres préexistants qui ont euh, des actes qui me conviennent. Quoi. Moi, je dirais que oui, en fait. Il euh, n'y a pas besoin de, de, de chambouler la galaxie entière pour que ce soit épique. Tu peux amener de l'épicness dans ton fleuve sans pour autant que, que ça ait un, une influence énorme, en fait. Tu, tu peux faire un truc de fou dans un micro-coin de galaxie perdu au fin fond euh, de, de la bordure extérieure. D'accord, donc pour Papy, non. Pour Invar, oui. Oui, euh, ça doit être épique, mais avec une nuance. Ça doit pas contredire le fleuve canon et ça doit pas impliquer euh, beaucoup trop sur le sur ce qui est en, en réalité dans le fleuve canon. D'accord. Est-ce que pour vous c'est important d'avoir un fleuve perso euh, Pour moi, oui. C'est important d'avoir un fleuve perso parce que je pense que c'est ce qui donne une âme à l'armée. C'est ce qui permet de de, de préparer euh, bah, son armée, de se faire une image de, de son armée et voire même de nous aider au niveau conversion, au niveau peinture, au niveau de tout ce qu'on voudrait y intégrer. Pour moi, oui. Je veux dire, si tu décides de faire un chapitre perso dans lequel tu vas créer la couleur, le, le symbole, tout ça, comme je l'ai dit avant, euh, pourquoi s'arrêter à la moitié du chemin et... et pas lui donner un fluff, même un fluff basique Après, je sais que par exemple, la différence entre moi et Ingvar, c'est que Ingvar, lui, il va avoir les idées de conversion, faire son, son chapitre, euh, monter ses figues et après essayer de faire un fluff. Et moi, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt euh, réfléchir au fluff, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils aient fait, etc. Et à partir de là... Au niveau conversion, euh, je vais commencer à réfléchir. Après, c'est pas mon fluff qui va dicter mes conversions, c'est plutôt un dialogue entre les deux. Mais globalement, euh, je vais penser au fluff avant de commencer à coller quoi que ce soit. Alors, juste euh, non, la plus grosse différence entre toi et Yvar, c'est 20 points de 15 <laughs> C'est marrant parce qu'on a tous les trois, tu vois, sur ces deux questions. Moi, je pense que le fluff ne doit pas être épique et je pense qu'il n'est pas forcément important d'avoir un fluff perso pour une armée. Donc, on a vraiment un avis qui va être, qui va pas diverger complètement, mais qui va être quand même assez en demi-teinte. Donc j'aimerais que vous exagériez un petit peu, limite niveau caricatural, euh, vos pensées là-dessus. Parce que sinon on va, être, on va être tout dans la nuance, et ça va être chiant de nous entendre débattre pendant trois heures sur est-ce que le psycho-endoctrinement ça permet de manger des céréales ou pas. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour essayer d'exacerber de, un petit peu vos avis là-dessus, les gens vous en tiendront par rigueur, à part à toi, Ingvar, mais est-ce que voilà, c'est quelque chose qui vous va Oui, on va faire ça. Bah alors, oui, je suis d'accord, après, faut pas non plus qu'on donne des, des contre-conseils en fait. Non, tu non, c'est bien pour illustrer. Oui, oui, mais c'est Par enfin, exemple, je veux dire. Toi, mm -hmm. tu, 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 vas, tu vas avoir en, envie d'avoir un truc un peu épique, mm -hmm. ou plus épique en tout cas, pas épique. Ouais, ouais. Quand tu fais ton fleuve perso, mm -hmm. Parce que tu, tu nous as parlé du modélisme, de tout ça. Est-ce que tu te bats sur le modélisme et ensuite tu fais un fluff en fonction Est-ce que tu regardes sur le fonction sur un fluff ultra épique et tu regardes ce qui colle le mieux Parce que Papy nous a dit que ça s'interconnectait plus ou moins en même temps. Mais est-ce que pour toi c'est aussi le cas Ou est-ce que c'est l'un ou l'autre qui est le plus important Alors, euh, pour moi, clairement, le... je ne mets pas de, li de limite à mon modélisme. Je ne mets pas de limite à mon délire de conversion. Et après, j'essaye d'intégrer ça dans un fluff. Ça peut être très compliqué, euh, comme je le disais un petit peu plus tôt. Là, mon armée de Space Wolf, bah, c'est parti sur une base de Primaris pour faire du True Scale, donc en armure MK10, avec des épaulières euh, MK3, parce que je les trouve classe, et une livrée 30K. Donc ça commence à faire beaucoup de. de de trucs qui se mélangent et ça devient très compliqué de faire un fluff avec ça. Donc, toi, tu es plutôt euh, à te dire que le modélisme va primer sur le fluff Oui, clairement. Pour moi, le modélisme prime sur le, le fluff. J'adore le fluff, mais je pense que j'aime plus le modélisme que le fluff. J'aime le modélisme, enfin, euh, j'aime le modélisme dans le sens où j'aime le, le travailler, la, la précision que ça peut demander, etc. J'aime faire beaucoup de cartes plastiques, ce genre de choses. Maintenant. Je, je bouffe beaucoup plus de fluff que de modélisme. Et euh, des concepts fluffiques de chapitres, ou de régiments de la garde, ou ce genre de choses, euh, j'en ai des dizaines dans, un, dans des tiroirs dans ma tête, et ils sont pas tous assortis de figurines que j'ai réalisées derrière. Et en fait, pour moi, l'intérêt du fluff, c'est ça, c'est que c'est quelque chose que tu peux réfléchir dans ton coin, Auquel tu peux confronter des sources, qui peut évoluer au fur et à mesure de tes lectures et ainsi de suite, sans euh, impliquer un, un projet modélistique derrière. Et qui peut évoluer entre temps. Alors que si tu fais des figurines, si tu fais ton, ton modélisme et qu'après tu d'assortir le fluff, tu peux, entre guillemets, t'auto-baiser. Oui, clairement. Bah, C'est un peu ce qui se passe pour moi. Hein. Enfin, même Je donc, être si souple pour ça. <laughs> mais tu vois, Ingvar, par exemple, il va euh, admettre 2 trois petites entorses au fluff pour euh, aller dans, un opti, dans une optique de modélisme. Est-ce que toi, c'est le cas aussi Ou est-ce qu'il y a un moment dans ton modélisme, tu vas te limiter Non, j'admettrai pas une entorse au fluff euh, pour le Rule of Cool. Euh, il est évident. Rule of Cool, ça c'est beau ça. <laughs> c'est pas mal. Non, c'est beau comme pas moi, hein. On s'arrête 30 secondes Ah, c'est pas toi Ah non. Alors ah on merde. passe. Euh, ouais, écoute, on va faire ton entretien de fin d'année. On <laughs> t'es pas es pas tenu. Enfin, on te regarde pas. Je suis désolé. <laughs> cool. <J'suis... rire> t'es obligé de rester. <laughs> Toi aussi, tu vas passer des samedis de merde. <laughs> non, mais c'est un concept en fait. Le rule of cool, c'est le c'est quand vous mettez une des, des armes sur une figue ou des, des options qu'elle n'a pas parce que ça rend la figue beaucoup plus classe mais vous les constez pas en termes de jeu, c'est ça le rule of cool en fait mmh. donc si vous les tendez au, au fluff, c'est euh, je sais bien que ce truc là il est hautement improbable mais c'est tellement badass que j'ai envie de le mettre quand même bah pour moi ça, ça marche pas en fait, enfin, parce que ça c'est le c'est justement le premier pas dans les trucs qui font que tu vas te prendre les pieds dans le tapis et que tu vas te voter à l'arrivée Ah c'est clairement mais, ça Là moi je, me, je, je vous découvre ce soir, parce que moi c'est euh, là je suis plutôt du côté d'Ingvar c'est le modisme qui va primer si je veux que mon capitaine il ait une épée de 4 mètres, ben je je mettrai une épée de 4 mètres. Parce que c'est cool. Et que ça n'a pas d'impact forcément. Non mais il y a, y a des degrés, évidemment. Non, oui, non, mais... Oui, non je suis d'accord. Je comprends tout à fait euh, ça. Il y, y a différentes implications, il y a différents degrés de... Euh, oui, je joue... Euh, groune avec des ailes de garde sanguinien, enfin ce genre de choses qui sont des aberrations totales. Ah non, mais mon Wolf Lord, moi il est monté sur Land Raider. Oui, voilà, là on oh. est dans l'aberration totale. <laughs> oui, non, mais ça on te l'a déjà dit, c'est parce que à un autre niveau il est monté un peu léger, donc mais on, on, on t'en parlera autrement. D'accord, ok, vous, vous êtes gentil les copains, merci. Par contre, du coup. Quand vous vous lancez dans votre fluff perso, ça, ça va être quoi le schéma de pensée dans lequel vous allez vous mettre, ou quel va être le raisonnement que vous allez avoir pour dire, ben, au final, je vais faire des Space Wolf montés sur Land Raider, ou euh, je vais faire des Mighty Dogs de l'espace euh, On va commencer par toi, Papy, parce que Ingvar, il a un petit temps de réflexion comme ça, un Space Wolf. Oui, il m'en faut beaucoup, ouais. Moi, souvent, il y a un déclencheur euh, qui, m... qui commence à me poser une bribe de piste d'un truc d'un fluff que j'aimerais créer alors ça peut être soit une lecture via la Black Lib, soit euh, les Mighty Ducks par exemple c'est parti d'une un, soirée de fou rire sur le Discord du podcast et euh, je me suis dit tiens ça pourrait être vraiment drôle on commence à regarder les animes, on se rend compte que bah fluffiquement c'est pas déconnant enfin si on sort du côté aberrant du fait que c'est un dessin animé avec des canards euh, alors a... juste juste euh, après la phrase Fluffiquement, c'est pas aberrant est- ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est les mighty ducks à la base les mighty ducks <laughs> c'est <laughs> un dessin animé de canards qui font du hockey et euh, qui sont dans le futur dans un monde parallèle où globalement leur monde se fait envahir et ils sont renvoyés dans le passé sur terre et ils ont des grandes armures de combat. On peut globalement... Le dessin animé doit dater des années 90. Et je crois que le prototype de l'armure Gravis est dans le dessin animé. Retenez bien, hein. Niveau fluff, c'est pas déconnant. Ce mec vous sort des théories sur la dualité des primaris. Et derrière, il vous explique que... Ouais, les Mighty Dogs, c'est légit. Ah, c'est canon, hein. <laughs> si, tu <pars> dans... <laughs> si tu pars dans un délire de base de données archéo, etc. C'est c'est évident, Enfin, ton symbole, c'est un canard avec des crosses de hockey, tout le monde comprendra que, que t'es pas dans un sujet complètement sérieux, t'es pas sérieux à 100%. Après, là, on est dans une démarche à la Ingvar où t'essayes de récupérer tes petits pour que ça colle. Mais euh, pour créer un fluff, de façon générale, je préfère euh, partir soit d'un élément déclencheur, qui est un roman, ou... Euh, pour le, je le fais beaucoup pour les gardes, notamment, ou globalement... Euh, tu as, tu as différents types de régiments qui sont décrits, que ce soit dans les bouquins JDR, par exemple, de, de... Rogue Trader, ou de Death Watch, ou ce genre de choses. Et il y en a un pour la guerre impériale, mm -hmm. j'ai pas le nom. Il te parle de différents types de régiments que, globalement, tu vois jamais sur les tables. Que ce soit euh, la reconnaissance, euh, la reconnaissance lourde, les régiments d'artillerie, ce genre de trucs. Et ben voilà, mes mais, mais éléments déclencheurs sont souvent des trucs comme ça. Donc Ingvar, euh, papy, en élément des clocheurs, il va avoir, avoir un canard sur l'épaulette. Est-ce que toi, de, de faire une armée avec des têtes de loup sur l'épaulette, c'est une manière euh, d'intégrer dans ton fluff le fait qu'il soit fan de Johnny <laughs> Pas du tout, absolument pas. D'accord. Comment il a su pas Non, à fond, pas du tout. Alors, je vais partir complètement différemment de Papi. C'est que, euh, déjà, je vais choisir des gurines qui me plaisent. Un, une armée qui, qui a une gueule qui me plaît. Et puis, je vais essayer de partir sur un thème. Euh, définir deux, trois mots-clés, en fait, qui vont vraiment euh, donner. Ben, fin, ouais, Qui vont vraiment définir ce que, ce que je veux faire de cette armée. Une fois que j'ai ces mots-clés, ben, je vais. Travailler qu'est-ce que je mettrai dedans comme une unité, comme euh, châssis, etc. Et puis je vais commencer à monter des gurines, à les convertir, etc. À la suite de ça, je vais essayer de faire un fluff qui va coller au fluff canon. Et c'est à ce moment-là où ça peut devenir très compliqué. Parce que quand tu commences à mélanger beaucoup de choses euh, au niveau modélisme, ça devient de, tout de suite très dur pour le faire coller dans l'univers de 40k pour que ça soit légit, quoi. Je vais une question bête, est-ce que les gens qui vont avoir tendance à privilégier le modélisme comme toi mm -hmm. ont, selon vous, plus tendance à partir sur des chapitres, on va dire typés, euh, pour faire simple, on va dire hors codex, euh, Blue Don Angel, Dark Angel, Space Wolf, etc., enfin voilà, des, des chapitres qui ont été déjà pas mal développés avec euh, une identité propre par Games, plutôt que de partir sur les ultramarines, les imparalfistes, euh, les choses comme ça où ça va plutôt être du générique oui, je pense que c'est plus facile de partir sur ce genre de codex parce que c'est... Bah justement, c'est pas codex et c'est beaucoup plus permissif en termes de modélisme. C'est tu vas pouvoir euh, aller plus loin parce qu'il y a déjà des troupes qui sont très spécifiques, des, des gurines qui sont très spécifiques et du coup tu vas pouvoir te lâcher un peu plus. Papi, Non, pas forcément. Parce que si c'est simplement un schéma de couleurs perso qu'ils trouvent classe et qu'ils ont envie de garder, euh, n'importe quel... Euh... Un chapitre, un tantinet successeur leur conviendra. Euh, si c'est J'inclus volontairement les successeurs. En fait, dans ma tête, c'est vraiment, est-ce que quand tu veux faire un truc vraiment qui sort des canons du fluff, tu vas avoir tendance à partir sur une gamme de figurines qui va de base avoir pas mal de variations. Par exemple, des bouts d'Angel, des Dark Angel, où tu auras plus de euh, Marine Santage des space-wolf tu plus d'accessoires, de fourrures, de choses comme ça. Euh, moi je pense qu'à partir du moment où tu décides de pétarder tous les canons du fluff, tu peux faire ce que tu veux parce qu'en fait, euh, bah, c'est déjà fucké à la base. Au niveau des variations entre les chapitres, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement les grosses différences qu'il va y avoir entre les différentes fondations, les différents primarques, les choses comme ça Un chapitre c'est quoi On va le définir très rapidement. Euh, par rapport aux 9 légions loyalistes qui existaient au moment de, de russes je vous fais pas récapituler, hein, c'est une information qui se trouve rapidement sur le net euh, laquelle a euh, des traits de caractère ou euh, une façon de se battre qui conviendrait le plus à votre chapitre. Vous avez une dixième option, euh, c'est de dire que vous ne le savez pas. Après, il y a euh, globalement où est-ce que vous vous positionnez par rapport au codex est-ce que vous pensez que le codex, votre chapitre, il l'applique boulon con Est-ce que vous pensez qu'ils en ont rien à faire Ou est-ce qu'ils sont dans un gradient entre les deux euh, Tout est possible, sachant qu'évidemment, un, un peu de, de, de bon sens fait que un successeur Ultramarines euh, peut être lâche par rapport au codex, mais ne va pas complètement l'envoyer chier, et, et, euh, et inversement. Et ensuite, il y a une, la fondation comme le disait Reign. Les fondations, c'est quoi C'est globalement. La première fondation. C'est les légions. La deuxième fondation, c'est après l'hérésie, quand Gulliman dit plus jamais on a autant de pouvoirs militaires dans, le, dans les mains d'un seul homme, on, on pète les légions en chapitres. Ça, c'est la deuxième fondation. De façon générale, je vous déconseille de prendre la première parce que tous les, tous les, ils sont tous connus, et la deuxième parce qu'ils sont quand même pas mal référencés. Et après, vous en avez comme ça, de, de la fin de l'hérésie jusqu'à maintenant, avec la dernière qui est la fondation ultima de Gulliman, pour les primaris. Euh, pareil, je vous laisse chercher, il euh, y a quelques... il y a pas mal de tutos qui montrent qu'il y a quelques fondations intéressantes. Mais voilà, globalement, une bonne base pour, par... pour, euh, pour faire un chapitre c'est ça. De qui je descends, est-ce que je le sais, euh, de quelle fondation, est-ce que je le sais On peut euh, peaufiner quelques détails, mais après ça c'est du... c'est pas forcément utile pour un premier contact avec euh, comment je crée mon fluff, si je veux pas partir euh, sur un... Sur les légions euh, très spécifiques comme les Space Wolves, les Dark Angel ou les Blue Angel. Moi, ça, à la rigueur, voilà, ça c'est une bonne base, mais ça m'intéresse pas spécialement dans, dans le cadre-là. J'ai plutôt envie de voir les trucs croustillants, les choses à ne pas faire, les choses vraiment ridicules, euh, les pics sur de l'épique, les, les. tous les, les gros euh, écueils sur lesquels beaucoup de gens se, se cassent les dents, en fait. Si le, la pierre angulaire. D'un fluff nul était une citation tirée d'une star de la télé-réalité. Quelle serait-elle Ingvar, vous avez la main pour 15 000 euros. Ah, moi mon maître de chapitre, il a sauvé les Man Russ. Alors non, je suis désolé. Quand tu parles d'un Primark, enfin d'un type comme un Primark dans ton fluff perso, alors qu'il y a 10 000 personnes qui vont référencer ça dans des tablettes de données. Au moment où il va se curer le nez, non, ça peut pas, c'est pas possible. Un truc comme ça, ça aurait été référencé 62 milliards de fois. C'est très gênant cette, cette idée que les Space Wolf référencent les occurrences du curage du nez de l'eman Rust. Bon, en même temps, ils s'emmerdent un peu autour des feux de camp. Papy, pour 20 000 euros et une Twingo, est-ce que vous avez mieux euh... Mon maître de chapitre, il a sauvé les Man Ross, Et bien que sa base génétique était la base génétique d'une Légion Renégate, les Russ l'a autorisé personnellement à créer son chapitre. Ouh Ingvar, oh, il y a vous du cumul, en PLS là. Ah ouais là il y a du cumul. Ouf, c'est chaud. Euh, alors attends Inva, je. Ingvar, je me chauffe. Est-ce que, est que vous avez mieux Ouais, je vais avoir mieux, attends. Laisse-moi je me chauffe là. 15 000 euros. Ouf, là ça Une commence, Twingo. Là. Et une magnifique Senseo édition Collector, Thierry Lermite. Ok, vas-y, t'es prêt là, ça va faire mal. Moi, mon chapitre, il est successeur. Insérer le nom d'un chapitre qui n'a eu aucun successeur. Et en plus, il vient du 26e millénaire. Il a passé 42 000 ans dans le Warp. Il a été dans le futur et il est revenu au 41e millénaire. Papy. Invar a mis la barre très haut. Est-ce que, pour 15 000 euros, une Twingo, une Cafetière Senseo édition de Thierry Lhermitte, Je sais pas ce que j'ai avec Thierry Lhermitte, Et. 4, je dis bien 4, of Ice vide. Est-ce que vous avez mieux, papy C'est votre moment. Ah, faut pas que je me retire des Smyrnof Ice vides dans le jeu. Euh, moi, mon chapitre, il est successeur d'un chapitre qui n'a pas de successeur. Il a une base génétique renégate. Il a sauvé un primark. Il a été personnellement invalidé par l'empereur. Il est parti dans l'ORP. Il est revenu dix mille ans plus tard. Et il y avait des primaris. Avant qu'il y ait des primaris. Ah excusez-moi, excusez-moi. Euh, L'arbitre me signale que l'intégralité des fleuves du Warfo gagne au lama. <laughs> Je suis désolé, messieurs, vous l'avez perdu. Je suis navré. ne pas lutter. Oh, il m'a tué. Ouais, ouais, bon, là, là, j'avoue. Ok, merci. Non, attends, bon. On, on, on le fait un peu à la mongole, mais c'est vrai que l'accumulation de choses très spécifiques qui peuvent être canons. Il y a énormément de choses que vous avez citées qui sont canons. Mais qui sont canons et qui sont spécifiés comme étant très exceptionnels. C'est uniquement en fait des exceptions pour confirmer les règles. C ces passages-là. Oui, et je, je pense que un bon point pour voir qu'un fleuve perso peut être un peu bancal, euh, ça va être l'accumulation de des Pickness en fait. C'est un peu Arnold Schwarzenegger dans Terminator, sur sa moto, mais qui fait du kung-fu. Voilà. Au bout d'un moment, il y a un peu trop. Et c'est indigeste. Mais c'est surtout comment tellement d'événements, tellement marquants pour l'Impérium, sont passés totalement inaperçus jusqu'à ce que vous décidiez de les écrire, en fait. Et regardez ailleurs. Oui, voilà. Ah, ça doit être ça. Non, mais tu, tu comprends, c'est les archives, elles ont été perdues. Oui. En même temps que le calendrier et le bon sens. <laughs> c'est ça. Non, mais oui, au bout d'un moment, un fleuve perso peut avoir une. Voire deux spécificités. Déjà, ça commence à être pas mal. Mais en plus, si ça cumule, 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 ça fait trop. Ça fait beaucoup trop et c'est trop épique, justement. C'est dans ce cas-là, bah en fait. Euh... Ok, ben bah, les gars, euh, vous, votre chapitre, putain, il défonce tellement. Euh... Bah écoute, euh, nous, avec les autres chapitres, on va aller prendre des vacances. Hein, euh... Bah nous, on va boire des pina coladas sur la plage, dans ce cas-là. Hein. Oui, enfin, c'est comme si. Enfin. Pour pousser l'image au ridicule, euh, ton maître de chapitre, il charge sur le toit du Land Rider en jouant de la guitare électrique avec les échappements qui crachent des flammes. C'est badass mec, Mais ah, non, c'est. Mec, fin... mais dis pas du mal de Mad Max, quoi Je suis désolé, c'est une scène dans Mad Max Il <laughs> y a un Land Rider dans Mad Max <laughs> Non, mais il y a le mec qui joue de la guitare sur le gros camion avec les bah, échappements qui crachent du feu juste derrière. C'est drôle pour un orc, mais pour un Marines, tu, fin, tu comprends qu'on confine au, au ridicule. Tu as le droit de prendre un, une image drôle et humoristique. Mais, But, mais ça, ça, ça c'est vachement intéressant. Je pense que tu as des armées qui vont se prêter parfaitement à ce type de fluff. Les Space Marines, de base, sont déjà tellement over the top que rajouter quoi que ce soit dessus, c'est trop. Je pense qu'il y a un moment, faut se rendre compte que le Marine, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel, qu'il se bat dans un univers qui est complètement fou, et rajouter des points vraiment très très spécifiques dessus. Ça va pas forcément bien coller. Les orques, par exemple, c'est un très bon exemple. Je pense que ça peut très très bien marcher pour des fluffs un peu, voire complètement barrés. Voire plus c'est barré, mieux c'est. C'est ça. Après, ce que je disais, c'est tu, tu peux te partir sur un, quelque chose de complètement délire. Enfin, je veux dire, c'est un hobby. Tu as le droit de t'amuser, de faire un truc euh, délire. C'est sérieux, c'est sérieux. Mec, c'est mec, sérieux. Non, j'ai ben, un ami qui a fait une armée à 4000 points où tous ses marines sont des têtes de lapin. Mais mais, fais le, tu le fais dans un optique de fun. Tu, tu, le problème, c'est quand tu le mets dans un optique sérieux, en fait. Parce qu'on a des gens qui pensent sérieusement que leur chapitre a une base génétique euh, d'une un, légion renégate, mais que comme euh, ils sont allés euh, serrer la cuillère à un primarque en lui sauvant le cul, euh, ça passe. Enfin. Non. Mais qu'est-ce qui peut pousser les gens à faire ce genre de fluff, selon, selon vous Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir c'est. Est-ce qu'à un moment, c'est que le fluff de base est pas assez exceptionnel ou est-ce que c'est le fleuve de base est tellement développé du point de vue de l'exceptionnel que forcément des marines lambda à côté, ça va faire fade Je pense que c'est euh, lié à la fois au, au fleuve que raconte Game Workshop et au, à, la, à, la, à la culture, que ce soit cinématographique ou euh, la pop culture entre guillemets. De façon générale, typiquement, les romans de games vont être des romans de bataille où va y avoir des actes épiques, etc. Les films vont être des films, des films de guerre ou de science-fiction ou quoi, ça va être sur des grands, des grands conflits avec des actes d'héroïsme, etc. Mais, enfin, dites-vous bien que quand vous créez un fleuve, vous racontez, vous ne créez pas ces films et vous racontez pas ces romans. C'est les gens se, sentent, se font, en fait, les gens créent un chapitre comme si son, sa vie était un de ses films ou un de ses romans. Enfin, son, son fleuve, toute l'histoire du chapitre était un de ses films et un de ses romans. Et Alors, je ne l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, c'est vachement pertinent ce que tu dis. Je, je le souligne parce que c'est assez rare d'avoir des choses pertinentes dites dans, dites dans ce podcast. Donc, pour une fois, voilà, je me permets de dire oui, oui, on est le 15, 15 septembre et quelque chose de pertinent a été dit. Vous pouvez marquer ce jour d'une pierre du Hard blanche. Ah, parce qu'elle euh... est blanche, le pierre du Hard après, après, oui. <laughs> euh, après, oui, effectivement. <laughs> mais voilà, enfin, je veux dire, en vrai, il euh, y a peut-être la majorité des chapitres leur boulot, ça a toujours été de garder un secteur galactique. Et oui, ils ont peut-être fait des trucs qui étaient hyper badass au niveau local. Ils sont effectivement peut-être mondialement connus dans le, dans le système stellaire. Mais ça s'arrête là, en fait. Et, et en vrai, bah, sur euh, 10 000 ans, je pense qu'il n'est pas déconnant de dire qu'ils en ont passé 9 000 à se graisser le bolteur. Mugar, se graisser le bolter, ça t'évoque quelque chose euh, Non, moi je graisse plutôt ma cuirasse, mais après c'est chacun son truc. Sorti de ça, est-ce que tu es assez d'accord que les fleuves perso ont tendance à être racontés vraiment du point de vue des actes exceptionnels et que le background derrière n'est pas forcément creusé Je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que les fleuves perso sont toujours trop... C'est trop de ci, trop de ça, trop de spécificités, trop de machins, trop de trucs. Et c'est tellement trop que ça devient trop, justement. On peut avoir des trucs ultra épiques, mais... Je veux dire, on, on peut rendre un, un fluff ultra épique dans un petit secteur qui n'aura aucune influence. Il suffit juste de bien l'écrire. Et je pense aussi que le délire de, de toujours rajouter trop plus de trucs c'est un peu pour compenser d'une part le fait que c'est juste un chapitre perso, donc peut-être pour, pour compenser, pour, pour le rendre un peu plus légit, on va dire, et surtout pour compenser le manque de, de, de capacité d'écriture, de, de romance en fait. Tu veux dire qu'on peut rendre un fleuve perso épique une fois, mais qu'on ne peut pas rendre mille fleuves perso épique mille fois non c'est pas ça tu veux dire qu'on peut rendre épique une fois il mille... faut me couper ça, ça, ça devient gênant là Donc ça devient gênant oui je dis que tu peux rendre un fleuve perso ultra épique euh, sur une petite bataille qui n'aura absolument aucune influence dans la galaxie je, je, vais, je vais donner un autre, un autre postulat est ce que vous avez besoin d'écrire un Quelque chose qui est déjà épique, vous, enfin, pourquoi ne vous posez pas simplement les bases euh, de la construction, de la façon de penser, et, et attendre tout simplement que l'épicness vous l'ayez dans vos parties Parce que vous allez avoir un moment où vos stats vont craquer, euh, votre capitaine va s'enchaîner un, un blindé, euh, faire, une, faire un mouvement de consolidation héroïque, et, et voilà, en fait, euh, laissez l'épic la, du jeu venir à votre fluff plutôt que envoyer du, de, de l'épique artificielle euh, pour un chapitre qui va peut-être du coup faire de la merde sur la table et vous allez vous sentir euh, en porte-à-faux vis-à-vis de ce que vous avez écrit. Pour essayer de conclure sur la partie là, moi je dirais que ce qui peut être intéressant, c'est donner beaucoup de défauts à, vos, à votre fleuve perso, à votre chapitre, à votre maître de chapitre, à vos marines, ça ce que vous voulez. La plupart des fleuves très intéressantes de Games aujourd'hui, et de toute façon la plupart des, des histoires intéressantes aujourd'hui, vont être des histoires d'anti-héros de, ou de choses comme ça, euh, des gens avec des défauts, et c'est ça qui va être intéressant. Si vous avez des euh, armées de lanceaux du lac qui vont être euh, tout le temps ultra épiques, ultra glorieux, mirifiques, c'est juste chiant. Mettez un peu de Perceval, de Karadoc, de, de conneries comme ça, ça peut aider à développer beaucoup plus le caractère d'une armée. Et si le but c'est de donner un caractère à votre armée, vous avez plus de facilité à le faire en décrivant ses défauts plutôt qu'en qu décrivant ses victoires qui seront au final rien d'autre qu'une série de victoires comme il y en a énormément dans 40K. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point ou pas Oui. Et je vais l'illustrer avec un, un exemple qui parlera pas forcément plus jeune mais peut-être ou un peu plus ancien. Matt Ward, le Codex, Ultra Mar le Codex Marines qui, était, qui a été surnommé le Codex Ultramarines. C'est ce moment où les Ultramarines sont devenus un chapitre conspué sur Internet. Pour une simple raison, c'est que Matt Ward les a rendus parfaits. Il les a rendus le parangon du Marines que tous les chapitres voulaient égaler, etc. Et les joueurs ont détesté ça. Mais vraiment, enfin, c'est à ce moment-là qu'est née euh, les espèces de vagues de taunt, ultra smurf, etc. Et là, en V8, ils les ont complètement repris, euh, notamment avec leur primark, etc. Ils ont rajouté des défauts, ils ont rajouté euh, cette volonté qu'a l'ultramarines de de toujours vouloir être le meilleur sans quasiment jamais y parvenir. Et ça donne beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus d'intérêt. Et si vous regardez les grands, les autres chapitres qui sont couverts, c'est ça. Ce qui rend les Dark Angel intéressants, c'est leur culte du secret, leur sentiment de honte. Euh, ce qui rend les Blue Dungeon intéressants, c'est la, la, la douleur d'avoir perdu le primarque, cette espèce d'état second à cause de ça. Ce qui rend les Space Wolf, un... non, là j'ai pas. Non, c'est non, non, c'est génial. <laughs> <C 'est gênant. rire> Non, on parle bien. Papier moi, a la longueur d'onde. Ah, mais, ce qui rend les Space Wolf intéressants, euh, c'est leur, euh, hormis leur côté euh, viking de l'espace au euh, niveau graphique, c'est leur, euh, leur obscurantisme, leur, euh, leur peur euh, quasiment euh, primale de des choses qui ne comprennent pas en fait. Tout ça, c'est c'est bien beau, mais c'est ça, c'était avant. Aujourd'hui, on a la Fondation Ultima et on a les Primaris et ça fout quand même un peu le merdier dans le bousin. Léger. Ouais, un petit peu quand même. Alors, un petit peu pour les gens qui veulent avoir un feu, un fluff épique. Hein. Oui. Grossièrement, les Primaris, ils vont être relativement récents. Donc, il va pas y avoir un background énorme. Même s'il y en a trois qui ont connu euh, l'époque de l'hérésie, euh, genre de choses de très loin euh, à la télé. Mais, c'est beaucoup plus compliqué de faire un truc ultra j'suis épique avec des Primaris aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Ultra épique dans l'univers de 40K. Tu vois, ancré profondément. Dans le sens où ils ont eu une influence à toutes les époques. Ben, je le... suis pas d'accord avec Rain. Le, le... le Primaris. Alors, je l'ai déjà développé. Euh... Enfin, certains certains s'en souviennent. Je ne suis pas hyper fan du... de... de ce qui entoure le Primaris. Euh... Je pense que game s'est allé trop compliqué dans l'introduction des nouveaux Marines. Euh, mais euh, on va faire avec ce qui est fait. Il euh, y a des trucs intéressants. La, la dualité du primaris est intéressante parce que c'est des gens qui sont contemporains, la, au moins la génération 1, ceux qui ne sont pas des, des rétrofits et ce genre de choses, c'est des gens qui sont contemporains de l'hérésie. Ils, ils étaient novices et ils ont été sortis du noviciat pour être envoyés vers Col à la fin de l'hérésie. Et eux, ils se retrouvent balancés dix mille ans plus tard euh, dans le monde à l'air libre, en fait. Mais euh, faire de l'épique, oui et non, parce qu'ils sont naturellement supérieurs aux Marines, en fait, Vanille. Vanille, c'est le Marines tel que vous le connaissiez avant le, le, les Primaris. Donc ils peuvent être épiques, mais ils ont surtout tout à prouver, en fait. C'est un peu l'anti-héros comme j'en parlais avant. Euh, il a les pouvoirs, mais il doit faire ses preuves pour montrer qu'au final il est utile et il est gentil. Ouais, c'est même plus profond que ça, je veux dire. Enfin, les, les mecs qui sont là, ils sont censés être la génération 2 ultra badass, ultra violente, ultra euh, overpower, mais en même temps euh, ils sont juste comme des, des, des parias et des, des pires novices aux yeux de leur chapitre, quoi. C'est ça, t'as des. Euh, c'est ce que je disais qui, a, qui, a, qui a intéressant, est intéressant, c'est qu'ils sont plus anciens et ils ont connaissance d'une période pour l'avoir vécue où les ma les anciens marines, enfin les marines actuelles, euh, que eux n'ont pas connu. Mais les marines actuelles ont beaucoup plus d'expérience et de, de du combat et de la guerre qu'un Primaris, parce qu'ils ont 100 ans. Enfin, à l'heure actuelle, ils ont un siècle et enfin très drôle, de façon très drôle, il y a il déjà des primaristes dans des dans les dans les redemptor dans les dreadnought redemptor. Ouais. Alors enfin c'est toujours marrant, enfin heureusement qu'il n'y a pas eu une réunion euh, le colloque des dreadnought ou un truc comme ça parce que tu euh, tu vas avoir un dreadnought euh, tu vas avoir un dreadnought euh, Ironhands qui a qui a 9000 ans et euh, tu, qui va te dire moi j'étais à Isvan, il euh, y avait des, y a déjà Isvan euh, dans, dans ma dans les mémoires de mon sarcophage etc... Euh, je suis mort euh, en combattant à côté de, de Ferus Manus ou euh, les Manoras ou machin. Et tu vas avoir le mec du Droneout Redemptor qui va être là. Euh, oui, ben bah, moi, euh, j'ai 70 ans et euh, bah, on m'a mis dans un sarcophage parce que quand euh, on est à... quand euh, les... mes successeurs, les Ultramarines, euh... Enfin, quand mes, mes géniteurs les Ultramarines, quand on est retourné dans le système de Magrage, je, ben, je suis sorti du de Rhino, j'ai marché sur une mine et je suis mort. Et comme je suis le premier à être mort, on m'a mis dans un sarcophage. quoi C'est clair que ça. ça ouais, ça casse un peu le, le délire de. de bah, ça casse un peu les piquness, en fait, du, du Dread. Enfin, voilà. Mais on parle tous de la Fondation Ultima, mais la Fondation Ultima, je pense que c'est nécessaire de l'expliquer un petit peu. Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement quand Cole a sorti les Primaris de Cuve. Euh, que Guilliman lui avait commandé à l'époque euh, avant qu'il crève, etc. Euh, et puis quand il est revenu, bah, Col lui a livré. Donc c'est tout simplement la sortie de la première génération de Primaris. C'est ça la Fondation Ultima. C'est quand C'est ben, quand Guilliman est revenu, c'est-à-dire en M41, euh, 999 ou euh, M42, ils savent même plus en quelle époque ils sont. Mais en gros c'est complètement contemporain, c'est maintenant. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué de faire des chapitres de Primaris avec une histoire personnelle très forte. Bah Oui, parce que c'est très récent, en fait. Je veux dire, les, les Primaris, ils sont sortis de cuve. Il y a Guilliman qui en a pris une grosse partie. Je vais pas expliquer le fluff, mais grossièrement, il a recréé une légion pour sa croisade Indominitus. Et puis après, il les a dispatchés lui-même dans les chapitres. Donc il s'est servi lui pour son, chapi son chapitre et ses, euh, ses successeurs. Et après, il a dispatché le reste pour renforcer les, les effectifs. Donc Et en créer d'autres. Et, euh, et en créer d'autres. Et du coup, vu que c'est tellement récent, tu peux pas euh, avoir des primaris qui ont une histoire de fou. Ils peuvent avoir de l'épicness parce que tu peux raconter deux trois batailles ultra épiques qui n'avaient pas forcément d'influence le, le, dans la galaxie. Mais non, ils n'auront pas euh, une histoire très ancrée dans l'univers de 40k. Du coup, Papy, pour toi, qu'est-ce qui peut être intéressant comme fluff, comme axe majeur en fait, de leur fluff perso Toi, tu veux faire un fluff perso sur les Primaris. Qu'est-ce qui peut être intéressant de mettre en avant Alors, le Primaris, si on le calme dans la frise temporelle, euh, globalement, entre la naissance de. entre la, la renaissance de de, gros bout de Gulliman et la... et la fin de la croisade Indomitus, donc le début de la V8, il y a 100 ans. Après, il y a des points intéressants dans le fluff du Primaris. Le, le Primaris, c'est un, une personne qui était novice, enfin la première génération en tout cas, c'est une personne qui était novice à la fin de la Russe, donc qui n'était pas encore un marine s'accompli, qui allait, qui allait commencer à recevoir ses organes, etc. Et il est retiré à ce moment-là du circuit normal pour être envoyé vers Col et être transformé en Primaris. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont contemporains d'événements qui sont épiques sans y avoir participé, qui se retrouvent confrontés à des Marines euh, vanis, donc ceux de 40k euh, qu'on connaissait jusqu'alors, qui eux n'étaient pas présents dans, ces dans cette période-là, ou à de très rares exceptions près, et qui maintenant, mais qui eux ont par contre énormément de bagages. Sur les ennemis actuels qu'affronte l'imperium Donc il euh, y a. Effectivement, mettre de l'épicness euh, pour du Primaris, tu peux en mettre parce qu'ils sont euh, fondamentalement plus forts qu'un Marines basique au niveau de leur capacité. Mais, euh, n'oublie pas de mettre cette. Il ne faut pas, à mon avis, pas oublier de mettre cette notion de, euh, de jeunesse, en fait. Moi je pense qu'il y a. Hum, un axe qui pourrait être intéressant, c'est un chapitre Primaris perso ça pourrait être une quête de, de légitimité en fait vis-à-vis enfin, -vis des, des, de ses pairs euh, des, des autres chapitres euh, Space Marines. C'est vraiment... Euh... C'est marrant parce que là c'est exactement toute l'histoire de... De tout... Je ne sais plus comment il s'appelle ce bouquin qu'avait écrit ce grand scénariste, enfin ce scénariste euh, ultra utilisé d'Hollywood, euh, La quête du héros ou un, un truc comme ça. Le, cet arc sur lequel est calqué 90% des histoires qui sortent aujourd'hui. Mmh. Et tu as ce, ce côté d'acceptation du euh, je suis nouveau, mais je réussis quand même à être accepté par oui, mes pairs oui, parce oui. que voilà ceci, cela. Oui, alors c'est ultra basique hein, comme, comme possibilité, mais je pense que ça peut être un axe suffisamment facile qui va pas nécessiter beaucoup de recherche et du coup où le temps, euh, le temps à disposition bah, va permettre de, de faire un, ouais, un écrit qui va vraiment euh, être intéressant. Voilà, c'est pas l'acceptation par ses pairs, c'est pas forcément une quête de gloire. Euh, c'est pas s'illustrer au combat, ça peut aussi être euh, montrer qu'on est un, un soutien fiable, en fait. Ouais, ça peut être euh, à, à tout niveau, ça peut même être au niveau politique, c'est réussir à, à je sais pas, à, 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 tout simplement, ben bah, comment euh, éviter un conflit planétaire, euh, juste. Euh, non, euh... tu, là tu pars encore trop loin. Enfin, quand tu déjà un Marines de ouais, 3 mètres avec deux cœurs oui. et un implant, est-ce que t'as vraiment besoin d'aller chercher un anneau qui te rend invisible enfin... <laughs> C'est pas faux. <laughs> non, enfin voilà, tout ça pour dire que, oui, il y a des axes pour les chapitres primaris, euh, mais faut pas aller chercher trop loin, il n'y a pas besoin. En fait, et dans tout fluff, y a pas besoin d'aller chercher trop loin. Euh, tous les jours, Alpha Légion m'envoient des SMS pour avoir plus d'infos sur cet anneau invisible. Papy, tu t'expliqueras avec eux. Hein, mais oui, oui. Parce que bon, bah, euh, il est rangé euh, au même endroit que les Primaris du Chaos. Hein Voilà. Ah, mais facile. Voilà. Il y en a chez Walmart en ce moment, en promo. C'est ça. <laughs> Je vais vous laisser à tous les deux une bonne minute pour essayer d'écrire grossièrement ou donner des conseils ou ce que vous voulez sur les fleuves perso, pas forcément sur les marines, vraiment rester sur des axes très génériques. Lequel de vous deux se sacrifie pour commencer Allez, je commence. Euh, alors, si vous choisissez un chapitre perso, essayez pas de, de le faire complètement unique. C'est un chapitre perso, il est perdu dans la masse, il va être comme les milliers de chapitres qui ne sont pas nommés, donc vous n'avez pas besoin euh, qu'il ait un milliard de spécificités. Vous pouvez lui donner un, un petit côté un peu caché, un, un petit peu mystérieux, enfin quelque chose comme ça, sans que ça soit euh, suffisamment gros pour que ça soit trop euh, visible. Euh, il peut avoir des, des moments ultra épiques, votre chapitre, mais encore une fois, n'allez pas trop loin, n'essayez pas de, de lui faire prendre part à des conflits euh, ultra énormes, qui de toute façon seraient référencés. Vous pouvez lui amener de l'épicness dans un petit bout de galaxie perdue. Et si vous choisissez de, de faire un fluff perso sur un chapitre connu, partez pas sur un truc énorme. Vous pouvez juste partir sur, je sais pas, une petite escouade, un lieutenant, euh, ou euh, tout simplement euh, une demi même une demi-compagnie, ça commence à devenir gros. Mais ouais, deux, trois escouades, qui, qui, leurs histoires, machin, et puis du coup, bah voilà, il y a, y a des renforts pour, pour tel truc. Enfin, il n'y a pas besoin que ce soit vraiment gros pour que ce soit épique. Vous pouvez rendre ultra épique un passage ou un marine s'il va tuer quatre gens sealers. Il n'y a pas besoin qu'il qui ait euh, qui détruit une planète entière, euh, une compagnie entière de, je sais pas moi, de, de marines sérétiques ou... Non. Ça peut être ultra épique, juste un mec qui va euh, tirer quatre fois au bolter. Ce que je veux dire par là, c'est passer plus de temps à essayer de, de faire une histoire qui va vraiment être romancée, qui va vraiment être bien écrite, qui va être extrêmement plaisante à lire... Plutôt que de passer du temps à chercher le pire truc de ouf qui va pouvoir être fait, machin... Parce que de toute façon, ça sera ridicule, ça sera juste de la surenchère... Et dans le fluff qui est extrêmement étoffé de 40k... Ça voudra rien dire, parce qu'on en aurait de toute façon entendu parler si c'était le cas. Si je faisais un chapitre successeur... Je... Je m'accrocherais vraiment, au départ... Plus qu'à créer des événements qui pourraient le faire connaître, à créer une ligne directrice générale du chapitre, c'est-à-dire les questions fondamentales que j'ai énoncées au début, hein, une façon de penser, une façon de se comporter, comment est-ce qu'il se comporte vis-à-vis -vis de son monde, etc. Et je, je vraiment pas chercher les événements épiques, ce genre de choses, ce genre de choses-là. J'attendrai que ça, ça vienne par le par les parties en fait. Je J'hésiterais pas à me faire ma, ma, ma campagne perso en fait tu vois ne maintenir par exemple un, un kill count de, de mon héros euh, pour pour dire que plus ça va plus il gagne en, en assurance ou en, en charisme etc pour pouvoir lui tu vois éventuellement le faire passer plus tard à un statut supérieur enfin commencer à, comme un lieutenant et le faire finir comme un maître de chapitre, peu importe. Et euh. Les L'épicness, je, je m'accrocherais je, je vraiment à la voir au moment des parties, au moment des événements. Là, en fait, je préfère poser les bases d'une histoire et que l'histoire se, se construise euh, avec moi comme acteur, plutôt que d'écrire un une, une histoire euh, fantasmagorique et euh, que les parties ne soient, ne soient qu'un accessoire, en fait. En gros, toi, ce que tu nous dis, c'est que participer à un événement comme la, la campagne de Planet Wargame ça peut être un bon moyen de développer un fluff perso en écrivant juste des petits morceaux de fluff entre les parties. C'est ça. Et de, de réussir à l'intégrer avec, avec énormément de gens au final une, ou tout, une campagne... mais de réussir à l'intégrer comme ça. C'est ça. Une campagne euh, narrative comme celle de Planet Wargame ou d'autres et euh, la V8 de façon générale sont un, un excellent moment pour commencer l'histoire d'un chapitre. C'est pour ça que moi, vraiment, je conseillerais de poser les grandes bases et après euh, de laisser le, les événements de la campagne, la partie, etc., commencer à inscrire ces, ces moments d'épicness euh, du chapitre, puisqu'ils seront de toute façon limités à ce système-là. Mais euh, voilà, moi, ce serait ça mon conseil. Très bon conseil. Un... Non, honnêtement, c'est un très bon conseil, ouais. Ok, moi, voilà, la seule chose, c'est. Je vous dirai, ça, ça va être très court, hein, je vous rassure. Quand vous avez écrit votre fluff ou en tout cas les grandes lignes, demandez-vous si vous êtes plus proche du Batman des années 60 ou plus proche euh, du Batman de Christopher Nolan. <laughs> Prenez un peu de recul. Non mais c'est ça, demandez-vous si à un moment c'est pas juste un peu trop. Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans le nanar Au final, ça a été très compliqué pour nous de faire cet épisode parce que c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre. Euh, la première, elle a duré... Plus de deux heures et demie, enfin c'est abject, on est rentré dans tous les détails. C'est très compliqué d'essayer de donner des avis comme ça sans être trop nuancé ou trop cassant. Le but c'est vraiment pas de vous dire votre fluff c'est de la merde parce que ceci ou cela. C'est juste de donner des axes d'amélioration et des idées générales à ce niveau-là. On a sans doute été pas mal maladroit sur beaucoup de choses, je pense. Il y a beaucoup de gens qui ont pu le prendre pour eux. On a tous écrit des fluffs un peu spécifique et dans le sens un peu spécifique c'est genre vraiment vraiment too much c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend et faut savoir au bout d'un moment accepter la critique et accepter de de prendre un peu de recul en fait sur ce qu'on a écrit quand vous regardez les fluff games quand vous regardez à travers les époques il y a eu beaucoup de choses et, et, et même eux hein, ça a été très épique à certains moments beaucoup trop sans doute et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'ils ont tendance à la rationaliser. Donc, n'hésitez pas à partir dans cette même base. Si vous avez écrit quelque chose de complètement fou, à le limiter juste un petit peu. Des fois, ça peut suffire à avoir quelque chose de très sympa. C'est vrai, on a... c'est notre deuxième prise pour cet épisode. Le premier, on, on s'est laissé un peu déborder par euh, notre, euh, notre passion autour du sujet. Euh, du coup, je ne en... vous cacherai pas que. Celui-ci est une V2. Personnellement, je suis un peu frustré. Je pense que si ça vous intéresse, on essaiera de fournir un contenu plus chargé, plus fourni, avec plus de discussions autour de ce sujet-là. Après, c'est plus détaillé, voilà. Euh, après, on essaiera de fournir un contenu plus détaillé, euh, où on échange plus et où on a plus des, une discussion euh, philosophique ou fluffique euh, autour de, ce, de ces sujets-là. A vous de nous dire si ça vous intéresserait euh, qu'on la partage avec vous ou si, euh, non, on va continuer à discuter comme des vieux cons sur notre Discord tout seul. Je rajouterai plus ou moins la même chose que Papy. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler de ce sujet. Il est sorti un peu du chapeau comme ça euh, quelques jours avant qu'on se dise « Ah bah, on enregistre quoi cette semaine ?» On a eu cette idée, on a pas mal bossé dessus avec papy. Euh, Rain a été en était, étant assez occupé cette semaine. Et en fait, toi, ouais, la première version à la fin de l'épisode, on s'est dit non, mais enfin non, c'est pas bien quoi. C'est c'est entre chien et loup. C'est on est trop rentré dans les détails euh, pour, pour que ce soit en format court. On n'est pas assez rentré dedans pour que ce soit vraiment intéressant. Du coup, on s'est dit bah voilà, on fait un truc assez générique, un sommaire expliqué, on va dire. Si ça vous intéresse, on, on essayera de faire quelque chose de beaucoup plus approfondi sur un format ou un autre. Ça sera balancé sur la page Facebook. N'hésitez vraiment pas à faire des retours sur cet épisode en tout cas. Dans les retours, mettez bien que c'est pour papy Wingvar. Je me désodarise totalement du principe <laughs> de on va rajouter des choses encore par-dessus. Euh, par contre, tant qu'on est dans les retours et les choses comme ça, je voudrais vraiment remercier... Tous les gens, au final, qui commentent les épisodes, nous envoient des mails, euh, qui font des choses comme ça. Je voudrais remercier, alors je sais pas si vous l'avez vu sur euh, Facebook, mais Tommy Kizer Martel, mec j'allais dire, non, c'est un pseudo, change de pseudo, c'est impronononçable. Fais comme moi, tu, tu réduis, reine, <laughs> c'est bien. C'est Princesse Disney, ça colle très bien, c'est Libéré délivré, tout ça, tout ça. Mais qui euh, a dit qu'il avait qu'il avait posé ses pinceaux en 2000 et qu'il a repris entre autres grâce à nous. Et mine de rien, c'est. Euh... Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, ouais. Ouais, c'est ouais, un, un petit peu une... Ouais, ça touche un peu la bite, hein, dit. <laughs> ouais, pas qu'un peu ouais, je voyais ça un poil plus haut, mais bon. <laughs> non, non. Non, mais ouais. Tommy, je le connais bien. En plus, il est bien. Euh... Ah, le mec, il y va, hein. Quand, quand il donne, il donne. Et je voulais aussi en profiter du coup pour remercier euh, tous les connards qui traînent sur le Discord et qui mine de rien sont euh, à leur échelle et dans leur domaine particulier ben, des sources d'inspiration aussi pour nous, hein, que ce soit au niveau du fluff, au niveau euh, de la peinture d'armée, au niveau de l'implication dans le hobby. donc Alfarius, euh, Elixo, Guldur, Shuroan, euh, Beat, enfin bref, je, on, je vais pas pouvoir tous les citer, mais vraiment c'est cool de passer des soirées avec vous et de discuter et... Ça apporte pas mal. Ouais. Merde. <laughs> non, c'est vrai. Mer merci à tous euh, bah, de nous soutenir comme ça, que ce soit par message, que ce soit que ce soit par mail, que ce soit sur Discord. Dans tous les cas, enfin, c'est toujours un plaisir d'échanger avec euh, avec vous tous. Et on remercie aussi euh, Vincent et Tim de Planet Game de 1 de nous offrir euh, notre dose de hobby. Euh... Via leur live hebdomadaire, de deux de nous avoir supportés au Warhammer Fest. C'est tellement mièvre qu'on croirait le téléthon. On va peut-être conclure. Ouais, on va peut-être conclure là parce que ça devenait un peu gênant. En tout cas, merci pour l'écoute. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Nous envoyer un petit mail, la chaîne YouTube qui sert si vous avez des problèmes d'écoute vis-à-vis de notre hébergeur de podcast. Encore une fois, merci à tous et à bientôt sur Drop Podcast. Merci à tous à la semaine prochaine. La <laughs> ok, euh, on n'y aura pas de news dans cet épisode. <laughs> non, mais c'était beaucoup trop violent ça. <laughs> Fallait que je la fasse un bon. moment ou un autre. Oh. <laughs> ah, Est-ce que tu as entendu ce magnifique bruit d'Ingvar qui fait la, le, le bruit du chameau qui est en train de se personomiser <laughs> Parce que oh tu sais à quoi ça ressemble. Tu sais à quoi ça ressemble un chameau qui se fait sodomiser, toi Bah ouais Non mais, sérieux Genre, t'étais. Ah oui, ils avaient jamais essayé. Tu fais es des vidéos sur ça. Là, toi, les hommes bêtes, tout ça, en fait, ça vient de toi. Hein. Non, par contre, alors surtout, ce que vous prenez, c'est des feuilles de palmier pour les, ex pour les mettre au sol. Parce que dans le sable, sinon, quand tu t'agrippes, en en fait, tes pieds glissent. Oui, et puis tes pieds glissent. <laughs> Il faut avoir quelque chose qui retient minimum, tu vois non mais sérieux Qu'est-ce que bon. c'est cet épisode quoi franchement Moi je comprends rien <laughs> Moi je garde tout Le chameau Honnêtement le chameau il s'en fout Circoncis pas circoncis lui ça le veut <laughs> Oh putain ah, Non mais, mais c'est violence quoi.